Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire le tag de la guerre des clans LPS. Donc il y a 15 questions et je vais tout de suite commencer. Ton personnage préféré? Donc je pense que c'est évident, donc c'est Étoile Bleue, voilà. Deuxième question, penses-tu que Éclair Noir... Troisième question, de quel clan ferais-tu partie? Donc je ferai partie du clan du Tonnerre parce que j'aime bien les écureuils. Pour les manger bien sûr. Non, bon, j'aime aussi les écureuils tout court, mais bon, hein, je préfère la forêt, la nature, que bah, la lande ou la rivière, parce que j'aime pas me mouiller. Ou les marécages, parce que j'aime pas la boue. Voilà. Quatrième question. Clan des étoiles ou forêt sombre? Forêt sombre. Oh là, je sais plus parler. Clan des étoiles ou forêt sombre? Clan des étoiles, parce que il y a Étoile Bleue qui va là-bas, et j'aime Étoile Bleue. Etc. Il y a presque tous mes préférés qui vont là-bas, sauf Ombre d'Érable. C'est triste. 5. Guerrière ou guérisseuse? J'aurais dit guérisseuse, mais puisqu'on peut pas avoir de compagnon, on voit bien la fille qui a envie d'un compagnon, voilà. Je dirais guerrière. Lac ou forêt? Forêt, parce que le lac, c'est mal organisé, et surtout que j'aime pas le lac. Voilà, je préfère la forêt, tout là où vous avez le rocher du soleil et tout. Et en plus, c'est là qu'Étoile Bleue est née, cœur de chêne, boucle de dérive. Voilà, ça se voit que la fille, elle pense qu'à Étoile Bleue, c'est tout. Là. Cite 5 plantes utilisées par les guérisseurs. Donc, bourrache pour la montée du lait, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. L'herbe à chat contre le mal vert. Mille feuilles pour faire vomir, racines de glouteron contre les morsures de rats, graines de pavot pour faire dormir, et baies de genièvre contre le rhume et les maux de ventre. Voilà, est-ce que je m'en suis sortie? Je ne sais pas et je ne pense pas. Donc dites-moi en commentaire si j'ai eu une faute pour une définition ou pour un mot, voilà. 8. Tribu de l'eau vive ou clan des temps révolus? Donc tribu de l'eau vive... Tribu de l'eau vive, parce que je préfère la tribu de l'eau vive, c'est comme ça. Voilà, je préfère tribu de l'eau vive, c'est comme ça. Ton nom de guerre, donc c'est très, 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 très bête. Clair de lune, donc c'est pas très, c'est pas intéressant, c'est pas recherché. Mais, comment dire, j'avais 9 ans à l'époque. Voilà. Si tu devais te réincarner en un perso LGDC, lequel serait? À la base j'aurais dit Étoile Bleue ou Fleur de Saule, mais puisque Étoile Bleue j'aime pas la manière dont elle meurt, et Fleur de Saule, elle, on va dire son compagnon, un de ses compagnons et son frère, donc je l'apprécie pas trop, donc je dirais Étoile de Brume parce qu'on sait pas quand elle meurt, du coup j'aime bien parce que je meurs pas tôt, et j'aurai la meilleure réplique la seconde. Ouais. Plutôt chasse ou combat? Il y a quelques mois j'aurais dit combat parce que j'aime bien le fight, mais actuellement je dirais la chasse parce que je trouve ça plus tranquille et j'aime bien manger. Voilà. 12e question. Si tu devais avoir un compagnon, qui serait-il? Donc ça serait juste entre Pelage de Silex et Plume de Griffe, mais je dirais Plume de Griffe parce que je le trouve trop mignon et trop gentil. J'ai le compagnon le plus méconnu de tout la guerre des clans. Je sais. 13e question. Pierre de lune ou source de lune? C'est dur, mais je dirais pierre de lune. Ouais. Non, source de lune parce que c'est plus classe. Voilà. Ton cycle et ton hors-série préféré. Donc, mon cycle préféré, c'est le cycle 2 ou le cycle 1. Parce que le cycle 1, je trouve qu'il y a pas mal. Bah, en fait, c'est plus attribué et j'aime pas trop le lac. Donc, je dirais peut-être le cycle 1. Je vais dire cycle 1 et début du cycle 2. Voilà, on va dire comme ça. Et mon hors-série préféré, c'est la profite d'Étoile Bleue, bien entendu, parce que c'est le mieux parce qu'il y a Étoile Bleue, voilà. J'ai fait des gestes très particuliers. Dernière question, et la plus dure. Pourquoi aimes-tu LGDC? Donc c'est très dur à dire, j'aime LGDC. Alors voilà, moment philosophique. En fait, je trouve que LGDC c'est bien parce que ça traite des problèmes de la société, mais avec des chats. Donc je trouve ça plus subtil, voilà. Et j'aime bien cette manière de faire. Donc voilà, le tag est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Je tague toutes les personnes qui veulent le faire. Et je remercie la guerre des clans LPL d'avoir créé ce tag. Parce que je l'ai trouvé très intéressant. Malgré quelques questions assez bizarres, comme la deuxième. Voilà.